Un monster qui flash. Faudra que je trouve une nouvelle tech aussi pour s'ils ont pas assez de squishy, s'ils ont beaucoup de tank, faudra trouver un autre build. J'imagine bien un truc en mode Landry, into des items tank un peu. Bon là c'est full AP cette game. Ah on a Lucian Jungle, j'avais pas vu. Chad. Ok, c'est le retour du matchup Camille. Ça me paraissait compliqué le matchup Camille tout à l'heure. Le nom du Lucian. Oh, ok, bon au moins on sait qu'il est sur son main pick. Le Shaco va partir à D. Alors Camille elle joue Ignite en plus. Ça me terrifie, je vous avoue. J'ai un peu peur que le maître invade mon Lucian en early. Ah Lucian. Ouf. On va se faire collapse. Ils sont très bien informés en face hein. Bon, y a plus de game là. Y'a plus de game. Ok, il prend le kill. Ça va encore. Le streamhack, ouais, ça pue le streamhack, très clairement. C'est ce que je vous dis, en master, les gens, ils ont aucun honneur. Ça dodge à vue. Streamhack dès que possible. Ils vendraient les deux reins de leur daron pour avoir 4 LP. Ouais, je lui mets mon full burst, ça fait aucun dégât à cause de bone plating. Nice! Ma bot lane! Big! Waouh, le proc est trop cute! Ah, mais elle joue Doran Shield! C'est une Camille Grasp, Ignite, Doran Shield! Ah ouais. Bon, au moins je peux farm la lane tranquille, mais. Ouais. Je peux pas me barrer, sinon je perds une wave canon entière. Je vais même pas aller chercher une auto après avoir touché un stun, c'est triste. Ah, si je m'étais reculé après avoir lancé le Q-spell, il aura pas pu dodge le mien. C'est un peu dommage, je suis pas très bien joué. On va se barrer de la lane, cette Camille, j'ai pas envie d'interagir avec elle. Relou de ouf, on champ. Bon, je dis ça, je vais quand même retourner top. Petit trade sous tour au KLM. Barnett, j'ai récemment eu des dysfonctionnements avec l'item support au top. C'est moi qui ai mal géré ou des bugs comme j'ai pu voir certains sur certains forums. L'item support en top lane est ultra bugué. C'est absolument pas de ta faute. Donne-moi le canon. Il vient de le double ignite là. Le Viego est monster fed. Notre compo n'a aucun sens. On a Viego mid, TF bot, Lucian jungle, Bard top. Il y a rien qui va, il y a que l'anami qui joue méta alors. On
Bon, j'ai hâte d'avoir des bottes là, je suis très très lent, j'en ai marre. Mon build il est affaiblissant pour l'instant. Tu parles une vidéo guide bar top, tes streams m'aident beaucoup déjà, mais je fais trop d'erreurs encore. En fait, y a pas de. Je sais pas, je saurais pas trop comment faire un guide, je t'avoue. Y'a trop de trucs à parcourir en fait. Ce qu'il te faut, c'est juste de la macro de base. Et ouais, peut-être un jour. Oh, les dégâts avec Nami, c'est indécent. Hein. Si j'avais mieux placé mon ulti, j'aurais peut-être pu toucher le maître Yi en plus de la Camille. Également, j'étais convaincu que le maître Yi m'avait Q-spell moi. Ah non, il m'a Q-spell moi, ouais. J'aurais dû m'éloigner de la Nami peut-être. Il est pas très vif ce TF. Hein. Elle a pas deux, c'est le moment. Magnifique. On perd beaucoup sur les sides mais... Je prends un tour bot, ça va encore. Il y en a un qui prend un T2, il se met très très bien. Vas-y, on va faire RFC en 2. Rabadon 3 je pense. Le stuff, c'est par rapport au nerf des dégâts de base et des buffs de des ratios AP, ouais. Et oui, on est en plein cooking. Ah, ils sont pas enchaînés. Les gars. Bon, il s'est fait OS. Pas les gars. Pourquoi tu joues ceinture extra qui a une synergie? Alors en fait dans les items AP, là, tu viens dans la catégorie AP là, tu vois qu'il y a pas très peu d'items AP qui coûtent pas cher. Et Rocket Belt ça en fait partie, ça donne des PV, de la haste, donc c'est... Je pense que c'est un des meilleurs starts pour barre d'AP. Et en plus de ça, ça te donne un moyen de proc l'électrocute sans avoir à mettre de Q-spell. Donc tu peux Rocket Belt in, clic droit, lancer une auto-attaque. Auto plus le carillon, ça va proc l'électrocute. Et après, si t'as besoin de te défendre, t'as encore le droit, t'as encore ton Q-spell. Donc c'est cool en vrai. J'ai, l'œil, il est impétable ou c'est quoi? Merci. Et je dois rester en side, m'occuper un peu de la Camille. La tempo fait que personne clear les waves en side. Et j'ai le debuff, donc j'ai plus envie, voilà, j'ai le debuff, j'ai plus envie. Le monster qui flash. Approchez pas, laissez-moi stun. Voilà, maintenant on peut y aller. C'est chaud le bard là. On va go Zhonya. Zhonya, troisième item. Là, normalement, c'est l'instant où j'aurais fait. Jusque-là, on faisait Lich Bane, Dandashore ou Rabadon en 3. On va tester le Zhonya. Contre leur compo, ça me paraît vraiment bien. Non, c'est triste. Bien joué, Medruy.
J'ai du mal à croire qu'on les ait explosés avec notre compo. C'est beau. Petit proc RFC, et voilà. Fin du jeu pour toi. Camille qui a réussi à prendre un kill avant la fin. GG.